Hey, salut à tous, c'est GameTech et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous savez pas ce que j'ai eu pour Noël ? Non, je ne l'ai pas déjà dit dans ma vidéo information. Non, le lien de la vidéo n'est pas dans la description. J'ai eu Black Ops 3. Ouais, Black Ops 3. Donc je sais, ça fait un peu tard pour faire une vidéo présentation de ce Black Ops 3, une vidéo un peu découverte de ce Black Ops 3, mais enfin c'est la version PS3. Et ouais les amis, la version PS3. Un peu de respect. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Puis si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et merci à ma sœur de me l'avoir acheté. Et on se retrouve tout de suite sur la play. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve sur la PS3 avec Call of Duty Black Ops 3. Allez, c'est parti, on va le lancer pour la première fois sur ma PS3 chez moi. Je sais vraiment pas qu'est-ce que ça va donner, le menu principal, comment ça va faire. Ok, donc déjà il y a une mise à jour. Bon ben on se retrouve quand je l'aurai fait. Hein. Et donc voilà, j'ai fini de faire la mise à jour et l'installation du jeu. Donc ça m'a mis à peu près 5 minutes parce que je suis connecté avec un câble Ethernet, du coup les mises à jour et tout ce qui est comme ça vont assez vite. Ah tiens, c'est ça quoi ça. Classe Activision. Et voilà, on est sur le menu de Black Ops 3. Enfin, j'y attendais. Et donc voilà, on est sur le menu de Black Ops 3. Enfin. Donc je vais vite fait tout regarder. Alors on va regarder d'abord le zombie. Donc le zombie de ce Black Ops 3 qui est vraiment bien. Donc à part sur PS3, nous avons que la map Shadow of Evil et pas The Giants. Mais bon, ce n'est pas super grave. Les temps de chargement sont quand même un peu longs. Hein. Ouais, ils sont quand même longs ces temps de chargement. Voilà, donc on a pour jouer en multijoueur ou jouer en normal, partie locale. Ok, après partie publique, donc voilà, donc ce que je vous disais, on a juste Shadow of Evil. Après partie privée, ok. Donc ça c'est les bubblegum là. Ça donne des sortes de super pouvoirs. Ça je ne sais pas ce que c'est. Et ça c'est pour personnaliser les armes, je crois, du mazombi. On va tout de suite ressortir. On va aller voir le multijoueur. Comment on fait? Oh merde, je suis bloqué dans le zombie. Bon, je vais essayer de me débloquer, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc je sais pas comment j'ai fait pour retourner ici, mais je sais pas, j'ai appuyé sur tous les boutons et ça a marché. Ok, mode multijoueur. Ah oui, donc voilà, donc au début on va devoir choisir un des 4 spécialistes qu'on a pour l'instant. Donc il y a batterie avec la machine de guerre et armure cinétique. Prophète avec tempête et glitch. Après nous avons l'outrider avec l'archer et impulsion furtive et les pointes de choc et turbo avec ruine. Donc moi je vais choisir les pointes de choc parce qu'apparemment c'est vraiment bien pour les modes de jeu objectifs comme domination et trucs comme ça, et moi j'aime bien jouer dans ces modes de jeu. Donc ça y est, on y est. Donc on va être partie publique. Donc oui, donc on a le champ libre et partie personnalisée. Champ libre c'est pour c'est une sorte de course, enfin pour vous apprendre un peu les déplacements, c'est vraiment bien. Je pense que je vais vous faire une vidéo dessus. Ok, alors ça c'est quoi? Ok, donc ça c'est pour voir son avancée. Je vais tout de suite remettre ça. 4 c'est pas mal. Commande. Hop, tactique. Ok. Ok, spécialiste, on peut rien faire. Assez discuté, j'ai des cibles. Ok, en classe, qu'est-ce qu'on a? Donc on a la KN44, la Kuda. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'on a comme arme au début? Bon, c'est vrai que les graphismes sont pas super, mais enfin je les trouve quand même assez bien pour de la PS3. C'est vraiment, c'est acceptable, on peut dire. Qu'on n'a pas de viseur, voilà, on n'a rien. On a
vraiment rien. Ok. Ok. Ok, bon, on va essayer de trouver une partie en MME classique. Faire une petite partie pour commencer. La première partie sur cette PS3. Chez moi, à domicile. Alors, je crois que la partie a déjà commencé. Donc, on a un MME sur Combine. Ça tombe bien, Combine. Je l'ai vraiment. Moi, je regarde beaucoup des vidéos, du coup. Je connais assez bien les maps. Elle est vraiment pas mal. Ok, donc là, je sais pas comment j'ai fait. Ok, ça marche comme ça. Ok. Ah, mais d'accord, c'est avec les. Alors, c'est avec R2 et L2 pour tirer et viser. C'est vraiment bizarre. J'ai vraiment pas. J'avais pas l'habitude. Je sais pas, je pense ça que ça doit être. Gros navire en approche. Alors, ce truc de double saut, il faudra qu'on. Faudra que je voie un peu comment ça marche. Et donc voilà. Donc vous allez me dire what? Pourquoi mon téléphone sonne? Je ne sais pas. Donc voilà. Donc voilà. Donc vous allez me dire what? Pourquoi ça recommence? Pourquoi t'as recommencé une autre partie? Alors en fait, donc je suis toujours niveau 1. En fait, j'ai enregistré. Comment ça enregistré le début de la partie? Puis après j'ai mis en fait essayer de mettre une pause pour changer justement ce problème de visée qui était visée et tirée avec R2 et L2. Et du coup en faisant la pause, je sais pas, ça a bugué, ça a complètement bugué. Et en fait là on se retrouve 3 ou 4 semaines après que j'ai tourné la vidéo. Parce que je suis parti au ski voilà pendant une semaine. Et après ça a été l'école et tout, donc j'ai pas pu bien le refaire. J'ai pas monté de niveau, je suis toujours niveau 1 parce que j'ai fait des parties en fait en. J'ai fait des parties en fait en. En partie privée. Là, je vais y arriver. J'ai fait des parties en partie privée, donc c'est pour ça que j'ai pas monté de niveau. Donc j'ai réglé aussi ce problème du coup de viser et tirer. Du coup maintenant ça se passe vraiment mieux. Voilà, j'essaye de shooter. J'ai mis un viseur sur la Kuda. J'ai mis un petit viseur sur la Kuda parce que j'aime pas vraiment le viseur d'origine. Oh là là, oh le massacre. Ah mince, mais j'aurais pu relancer ma grenade. J'ai plus bien les réflexes, faut que je commence à les reprendre là parce que ça fait vraiment temps que j'ai pas rejoué. Donc voilà, donc je voulais vous parler d'un autre truc, c'est que j'ai eu l'idée de créer en fait une team voilà avec donc des abonnés puis en même temps des potes. Et j'aimerais trouver un nom parce que j'ai pas vraiment trouvé de nom qui était bien pour l'instant. Donc si vous avez des idées de nom pour la team que j'aimerais créer sur Call of, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir parce que franchement là on a vraiment pas d'idée. J'arrive pas à jouer. Donc on a vraiment pas d'idée. Enfin j'en ai quelques-uns mais enfin ouais ils sont bof bof. Donc du coup voilà. Donc si vous avez des idées, je suis preneur. J'ai lancé ma grenade, il est apparu, j'ai vu. J'ai mon spécialiste, il bouge. Donc là après je vais faire un maximum soit de élimination confirmée, soit de MME. Pour vraiment monter le niveau assez vite parce que c'est les deux modes de jeu qui font vraiment monter le niveau vite. Oh là là le shoot. Le shoot de malade. J'ai vraiment plus l'habitude. J'ai commencé à reprendre un peu l'habitude de jouer un peu en plus sur le plateforme et voilà là. Ok, la sensi aussi un peu. Attention,
Oh là là. Faut que je me concentre, faut que je me concentre, faut que je me concentre. J'ai vraiment... Putain mais... Faut que je mette mes lunettes aussi je crois, parce que je commence à être aveugle. Oh. J'aurais dû lancer une grenade. Je pense jamais à mes grenades, je remarque. Donc voilà, donc une fois que vous m'aurez donné les idées... Oh, je sais tout est pour éviter. Une fois que vous m'aurez donné les idées pour la team, je vous mettrai une vidéo avec, avec des potes, justement, dans la team. Une vidéo où je serai avec mes potes, voilà, dans la team, pour vous dire le nom de la team et vous demander si vous voulez rejoindre. Comme ça, je vous dirai quel est le nom qui a été... sélectionné. Oh là là. Je pense à utiliser mon spécialiste. J'ai pas l'habitude. J'aurais dû lancer ma grenade encore une fois. Je pense jamais. Je vais la lancer à l'aveuglette là. Bon et ben voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre le nom le nom que vous avez trouvé pour la team dans les commentaires. Et puis voilà, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, adios.